Kachuk wins it in. Here's Lemieux poking at the center. Lemieux ahead to Gretzky. Has Berkey with him on a 2-on-1 to Lemieux. And on goal. He shoots. He scores! Mario Lemieux! With 1:26 remaining. When Mario Lemieux scored the winning goal in the 1987 Labatt Canada Cup, it was one of the greatest moments in Canadian sports history. But both Canada and the rest of the world were to go through profound changes that would dramatically affect the outcome of the next Labatt Canada Cup. Just 1 year later, the euphoria that accompanied Canada's emotional victory was to be replaced by national shame. Ben Johnson's positive test for steroid use at the 1988 Olympics in Seoul was put on public display. An embattled Prime Minister, Brian Mulroney, saw his dreams of a Meechley constitution disintegrate, driving his popularity to an all-time low and dividing a nation. The Soviet Union could no longer afford to maintain its tight controls over Eastern Europe. The tearing down of the Berlin Wall would signify that the communist doctrines of Karl Marx no longer worked. Only the Americans stood tall at the end of the most volatile decade of all time. The decisive victory in the Gulf War established the United States as the most powerful country in history. The failure of an attempted Soviet coup just days before the Labatt Canada Cup would only further prove just how far that country had fallen. A weary Viktor Tikhonov reflected the concern in the hearts and minds of the entire Soviet team and coaching staff. Before the dust would settle on the round robin of the Canada Cup, the world would see just how well-founded those fears were. While the Americans appeared buoyed by their new political and military might, and to a man were confident this was the time they would emerge as a bona fide hockey power. Then, just days before the tournament was to start, Bob Johnson, their mentor and the man most responsible for the phenomenal rise in the popularity of hockey in the U.S., was struck down by a life-threatening brain tumor. Tim Taylor picked up the coaching reins, while manager Craig Patrick's concern reflected those of an entire team. What are my thoughts? I'm devastated. Team Canada was not without its distractions as well. An incredible 56 players were invited to attend training camp. They arrived driven by an intense desire to represent their country. Remarkably, more than 30 of the best hockey players in the world would have to be cut before the first game, including the controversial late release of star center Steve Yzerman. This left the coaching staff with what they knew would be some unpopular decisions, but with the common hope that the great one would make all their choices seem right. It would be Canada against the world. And for 2 weeks in September of 1991, time seemed to stand still as the eyes, ears, and thoughts of an entire nation were consumed by one thing and one thing alone, the Labatt Canada Cup. The Lords of the Ice is brought to you by Labatt's. As opening day arrived, what had occurred off the ice was now dominating everyone's mind as much as what was happening on it. And it was ironic that the first match pitted the two communist countries against each other. Czechoslovakia opened up against the Soviet Union, and it wouldn't be long before the world would see how far the mighty Soviets had fallen. But no one could have foreseen what would happen by the time the buzzer sounded to end the first period. Kron is alone in front, and they couldn't get him to puck. Here they are again, and they score! Lubomir Kolnik put Czechoslovakia on top. Mikhail Pavanka of Washington, steered off by Tatarinov, his teammate last year with the Capitals. Pavanka centered it, and another goal! A great setup by Mikhail Pavanka. It is 2-0 Czechoslovakia. Here's Jelinek with Kashtak, a nice pass. Gusarov watches him. They get it in front and score again. Jelinek. They have struck quickly as Zimmer by stripping the Soviets of the puck. The usually unflappable Viktor Tikhonov was showing the strains felt throughout the entire Soviet Union. These were not the same Russians of years gone by. And even though the Soviet squad managed to pepper Czech goalie Dominik Hasek with 38 shots, he turned them back time and time again.
Two more Czech goals by the beginning of the third made speculation a reality. The Russians added two goals near the end of the game, but what had happened was written all over the faces of the entire Soviet team. Final score, Czechoslovakia 5, Soviet Union 2. And Viktor Tikhonov could only hope that game two would bring better results. Next up on day one of the round robin was the sold-out Pittsburgh Civic Arena. As their coach lay in critical condition in a nearby hospital, Team USA dedicated the entire tournament to Bob Johnson's honor. Led by Jeremy Roenick, the Americans did indeed play like a team on a mission. Chance for the U.S., first big chance, scores! Jeremy Roenick. Coast to coast. Shel Samuelson got tangled up, puck knocked loose. All the way across, drop back, backhand shot by Modano, loose in front, score! Roenick, and it's 2-0 U.S. Modano back up, picks it up, Modano tried to center it in front, knocked away. Sandstrom can't get it out, bouncing, puck score! Tony Granato makes it 3-0 for the U.S. That's the way the first period ended. And by the midway point of the second, the scoreboard read 5-0 Team USA. At that point, reality may have taken hold. Many of the U.S. players went through a slump in the third, and the Swedes came back. Johansson moves up, number six. He's up there deep, gets it in back of the net. Naslund parked off, scores! 5-1, the USA leading. With 5:14 to play in the third period. Deep slot, scores! Samuelson! And there's another one. Charles Berglund makes it 5-3. But the player of the game, Craig Janney, iced it away for the American team with just under 3 minutes to go. Both players and fans alike were confident that this was a team of destiny, but they all knew they would have to draw on every ounce of strength and inspiration for their next game, when they would meet the seemingly invincible Canadian squad. Because of all the problems surrounding the other teams, Team Canada entered the tournament as the overwhelming favorite to repeat as Canada Cup champions, but they were under enormous pressure to repair a country's ego that had been battered and bruised. Coach Mike Keenan was hoping he could keep his team focused not just on winning the Labatt Canada Cup, but the more immediate problem of defeating a gritty and improving Finnish team that had remarkably never won a game in tournament competition. The Finns' plan was simple: jam up the center ice and defensive blue line area. They felt if they could slow down the high-powered Canadians and get a few breaks themselves, they would frustrate the multi-talented Canadian team and capitalize on their mistakes. And they worked this plan to perfection. Time and time again, Team Canada failed to penetrate a stubborn Finn defense. The Finns were playing the game of their lives, and 14 minutes into the first period, Team Canada had been kept off the scoreboard. Messier makes the pass to Courtauld in the corner. Robitaille is everywhere in this ice surface of Maple Leaf Gardens. He scores! Luke Robitaille, Team Canada, 1-0. Despite the Robitaille goal with just under 6 minutes left in the first period, the Finnish team did not panic. They maintained their relentless pursuit of a confused Canadian team, and Team Finland's hard work paid off. Finland controlling it now. Oh, Janin brings it in, quick shot, Radford, rebound, Janin scores and ties the game for Team Finland. By the midway point of the match, the Finns had their game plan working to a T. And when the Canadians did manage to break through the stingy Finns defense, they were stopped by an even stingier Marcus Ketterer.
Marcus Ketterer's heroics had the great one himself shaking his head in disbelief, and Mike Keenan's worst fears had been realized. He could only hope his team could shake themselves up as the game wore on. Where they had once hoped to overwhelm what they thought to be a weak opponent, Team Canada now had to change their tactics to overcome a hot goalie and solid finish game plan. They pressed hard to regain the lead. Rick Tocchet of the Philadelphia Flyers digs it back to Shanahan. Coffey's on the ice. His shot redirected. Rebound. They score! When Brendan Shanahan was set up by Paul Coffey for the go-ahead goal late in the second period, giving Canada a 2-1 lead, there was a collective sigh of relief reverberating through Maple Leaf Gardens. But once again, the Finns stuck to their game plan, trying to force Team Canada into making just one more mistake. Salati collecting it and starting Finland away now. Quick pass for Yadin. Yadin shoots. It's a goal post. It's in the net. And it's tied at 2. As the clock wound down, the Finns had come oh so close to pulling off a major upset. But the final score did indicate two very important things about the 1991 Labatt Canada Cup. This year's Finnish hockey team was not to be taken lightly. And Team Canada would have to work much harder if they hoped to win it all. Both the Finns and Czechs started game two of the tournament buoyed by their earlier success. Czechoslovakia hoped to use their freewheeling offensive style to overpower the defensive-minded Finns, while the Finns would sit back and wait for that one break, and both teams held true to form. Time and again, the Czechs penetrated the defense of a leg-weary Finnish team, and every time they were turned back by Finnish goalie Magic Marcus Ketterer. Just when it looked like this game would end up tied, the Finns finally got the break they were looking for. Streak go to Newman, long pass for Solane, intercepted by Gudas. Here's a chance, Route 2 with Streak go busting for the net. And it scores! 17 seconds remaining. It wasn't even shot in the net, and Finland leads 1-0. It was an historic moment for the Finnish national team. Their first win ever in Canada Cup competition. And for the moment, first place in the round-robin standings. Who would have thought that when the Swedes played the Russians in game two, that when it was all over, one of these hockey greats would be occupying last place. The Soviets showed the same kind of lethargy that dogged them during their opening game against the Czechs. Rundqvist knocks it down, comes in with Naslund. Sundin going for the net, scores! Matt Sundin makes it 1-0 for Sweden. Off the back of the boards and in around behind the net, Kozlov trying to pick it up. Naslund pokes it loose, Sundin centers it in front, scores! Rundqvist makes it 2-0 Sweden. As the teams left the ice after two periods, the Swedes held that comfortable 2-0 lead. Viktor Tikhanov's earlier disappointment had turned to confusion. He watched his once proud hockey program crumble in disarray. But the Soviets, drawing on some inner strength, came back in the third and looked much more like the big red machine of days gone by. Here's Samak. Couldn't get in position to shoot. Zhemnov to Samak. Sharp angle, loose in front, scores! Alexei Zhemnov breaks the goose egg. It's 2-1, Sweden still leading. The Swedes not going into forecheck, just hanging out by that blue line.
No one going in to commit. Here comes Lamack, and on his knees, gets it to Zhamnov. Deflected on goal. It's loose. Scores! Alexander Samak ties it. With the Swedes visibly tiring and the Russians applying pressure, the Tre Kronas got a break, starting with some great defensive work by Kalle Johansson. Here comes Lomachen. Going for the net, he's knocked onto the seat of his pants by Johansson, and here comes Sandstrom. Shoots! Scores! Sandstrom with 3:54 to go. Try as they might, the Soviets couldn't muster the killer instinct that was their trademark in days gone by. And when the final buzzer sounded, it was the Russians sitting at the bottom of the standings of the Canada Cup. The most highly anticipated game so far saw the U.S. squad come to Hamilton's Cops Coliseum to take on a Canadian team stunned by their first game tie. Mike Keenan had blasted his team for their lack of focus in game one. While Tim Taylor and his U.S. squad continue to draw on the inspiration provided by their coach Bob Johnson, who remained in hospital. But the trauma of what had happened clearly affected the American team. For the first half of the game, they appeared to be standing around and watching. And it was the great one, Wayne Gretzky, held off the score sheet in game one, who took over. Number 88, Lindros with Robitaille gets it back from the L.A. King. Here's the shot from McKenna's screen, but off target. Robitaille tries to pass it in front, saving it for Gretzky. The master makes the play, and Team Canada scores! Gary Suter, the Calgary Flames, engineers the play, a wide ankle shot, fine save, rebound comes up. Oh, a great scoring chance there for Hull. And he was turned aside by Ranford. Here comes Gretzky now with Larmer, two on one. The pass to Larmer, he scores! Fleury down the right side for Team Canada to Eric Desjardins. In behind the net for Fleury. Fleury looks to center it. Tarachuk scores! 3-0 Canada! By the midway mark in the game, Canada held a seemingly insurmountable 5-0 lead. But then, the American squad woke up and began to take the game and the body to the Canadian team. This abrupt turnaround took everyone on the Canadian team by complete surprise. From the faceoff, this is Kevin Hatcher for the United States, getting away from a check from Stevens. Hatcher, centers, Janney, scores! The Americans have their first goal. Now Hatcher coming up the ice for the United States with Hull, with Kevin Miller across the blue line. Hatcher across to a wide open Hull, he scores! 5-2! Team USA pressing once again. Here's Chelios dumping it to the Canadian zone. Stevens in behind his own net, picks it up for Team Canada. He'll try the left side. Stevens now ahead to Sutter. Off Hull for Janney. He scores! It's 5-3! Then Joel Otto brought the Americans to within one with more than 10 minutes to go. Perhaps destiny really was on the side of the U.S. team. But no, referee Don Koharski disallowed the goal. He had called a penalty for interference against Eddie Olczyk. That was the final straw for the determined Americans. And once again, it was Gretzky,
who, like a tiger stalking a wounded prey, sensed the huge emotional letdown on the other side. Gretzky near boards. Slap shot from the point is wide. The rebound is dug out. Flip to Gretzky, jams away, they score. The great one teamed up with Eric Lindros, the next one, and the Americans had been turned back for now. So at the end of the second round, it was Canada and the surprising Finns atop the round-robin standings, with the Soviets still looking for their first victory. In Game 3, the Finns came down to earth, and the Soviets exhibited some of their former glory, thoroughly dominating the contest. There were to be no heroics by Finnish goalie Markus Ketterer this night. Puck cleared in by Eero Järvi. Chytnik up around the boards. We played 2 minutes of the first period, 0-0. Godinho, lead pass up, Butseyev shoots, score! Butseyev makes it 1-0 for the Soviets. Prokhorov over the blue line, bumped along the boards. Fedorov picks it up now, looking for the front. He has Kozlov with him. Kozlov circling in front along with Prokhorov. Here's Kozlov, rebound, score! Prokhorov makes it 2-0. Billy Sheeran steps out of the box and the Finns have the man advantage for the next 20 seconds. But in deep is Heinerov for the Soviets. Gets it up around the boards. Gusarov shooting. Rebound leading foot scores. Heinerov makes it 3-0. It was a three-goal first period harvest as the Soviets peppered 16 shots at the beleaguered netminder, who was mercifully lifted before the start of the second period. Even with Jukka Tommy in goal, the change in netminders did little to slow down the Soviet onslaught. A total of 40 Soviet shots at two Finnish netminders resulted in three more Soviet goals. The final score was 6-1, and Tikhanov could rest easier tonight, hopeful that his club had finally turned things around. The Americans met the Czechs at the Joe Louis Arena in Game 3. Both teams seemed to be feeling the effects of their losses in Game 2. And in a lackluster performance before a sparse crowd, neither team played with the intensity that had carried them through the first two games of the tournament. Pat LaFontaine staked the Americans to a 1-0 lead. Then, Jeremy Roenick was credited with his third goal of the tournament and had the Americans up by two. The Czechs reduced the margin. Tomas Jelinek off the post made it 2-1. Then Joel Otto restored the two-goal margin. Jaromír Jágr brought the stubborn Czechs back to within one. But Mike Modano's first Canada Cup goal salted it away for Team USA. In the end, the Americans were grateful to skate away with a 4-2 victory, knowing they would have to be better in Game 4 if they were to beat the resurgent Soviet Union. Both Canada and Sweden were coming off big wins in Game 2 when they met in Toronto for Game 3 of the round-robin portion of the tournament. And it was billed as the return to Maple Leaf Gardens of ex-Leaf hockey great Börje Salming. But once again, it was the great one who stole the spotlight. Before many of the more than 15,000 fans who packed the gardens that night had time to get comfortably seated, Gretzky put on an awesome display. Gretzky is on the ice now, along with the muscle of Messier. Sweet, changing on the go. Long lead pass, too far for Gretzky. 49 seconds left in the penalty, but here's a chance of a goal! Driven in by Steve Larmer.
Gretzky one-on-one going in. Coffey trailing. Coffey waits for the pass. Gets it and scores! 2-0 Team Canada. And it's cleared out to Gretzky. Gretzky with Graham. Feeds Graham. Graham going and scores! 3-0! It is Gretzky's uncanny ability to know where every player is at all times that makes him the best to ever lace up skates. With less than 7.5 minutes gone, Team Canada was already up by 3 goals. And then the game developed into the chippiest of the tournament so far. But it would be a clean check delivered by 18-year-old Eric Lindros that would be best remembered this night. Lindros, who had made a name for himself as a crunching checker in games 1 and 2, put all the force he could muster into Sweden's Ulf Samuelsson, knocking him out of action and enhancing the growing Lindros reputation. The Swedes were unable to muster any kind of attack after that. And Canada skated away with a hard-fought 4-1 win. In game 4, Finland got back to their winning ways, defeating a Swedish team that was reeling from the beating they took at the hands of the Canucks 2 nights before. Three goals on just 10 shots by the midway point in the game, and the superlative goaltending of Marcus the Magician had assured Finland of their first ever Canada Cup playoff appearance. Canada took to the ice in game 4 in what was to be the easiest game of the tournament against a thoroughly demoralized Czech team. The biggest reactions from the crowd at the Forum in Montreal were saved for Eric Lindros, whose refusal to play for the Quebec Nordiques had emotions running at a fever pitch in La Belle Provence. Historically, Team Canada's last 2 games in the Canada Cup against the Czechs and Soviets have always decided first place. Canada was fighting for first this year, but with Finland and Team USA, while the Czechs and Soviets were battling for their playoff lives. Canada destroyed the Czechs, scoring 4 times by the midway mark of the first period. Gretzky and Al MacInnis led the way with 2 goals each, as the game itself seemed to be a mere sidebar to the Lindros story. But the importance of Team Canada's game against the Soviet Union in Quebec City, and even the Lindros story itself, would depend on how the Soviets fared in Game 4 against the USA. The game of Round 4 was the one involving USA and the Soviet Union. A loss by the Soviets would all but eliminate them from the playoff round. And the Americans were hoping to keep pace with Canada and the surprising Finnish team. This was supposed to be another miracle on ice. The Americans continued to draw inspiration from Bob Johnson, who, while still critical, was remarkably sending them notes and outlining their game plan. It didn't take long for the Americans to put Johnson's plan into effect. Stamkos leaves it back of the net. Tarnoff, formerly with the Washington Caps, now a member of the Quebec Nordiques, gets to center. They do get the puck into the zone, but that's all. And down the left side with a long pass comes Roenick. Jeremy Roenick, nice
Kraft shot, centers it in front, the drive, the score! Bonanno! But just like at Lake Placid, when goalie Jim Craig stopped the Soviet barrage, this time it was another goalie named Mike Richter who refused to give in. When Pat LaFontaine scored near the end of the second, the stadium erupted. And late cross ice to Mike Modano, off right wing, Hull in front, the pass to LaFontaine, and he's denied by Stalnikov. The backhand pass by Leach doesn't get through. Now at Bandura, LaFontaine scores! The Soviets' dilemma was simple. Solving the seemingly invincible Mike Richter. Malahov, number four, is fighting around the boards. Holland, unable to move it out for Team USA. Quick shot, they score! Zabla! A giveaway in the U.S. end of the ice, and the Soviets score 51 seconds into the third period. But that was all that was going to get by Richter this night. The Americans remained in second place within 1 point of the Canadians and left the Soviets hoping for a miracle if they were to make the playoffs. And when Sweden beat the Czechs at Maple Leaf Gardens in Game 5, the game involving the Soviet Union and Team Canada in Quebec City and the Lindros saga became meaningless. For the record, these were the final scores of the last games of the round-robin tournament. And these the final standings. It was the first time the Czechs and Soviets failed to make the playoff round, while the first time the Finns and Americans had. But Finland would be playing Team USA in the first semifinal, so for one of these teams, this would be as far as they would go. When they took to the ice for the first semifinal at Kops Coliseum, there was a distinct contrast in each team's manner and demeanor. The Americans were still being driven by thoughts of their coach, who had been moved to a hospital in his home state of Colorado. The Finns appeared as if in a daze. Their coach, Pentti Matukainen, knew they were the surprise of the tournament, but they seemed as surprised as everyone else that they had gotten this far. By the middle of the first period, there was still no score. Coach Matukainen could only hope that as the game wore on, his team would wake up, but the Americans continued to press with what had been the best offense in the tournament. Miller's got Janney circling in front, the U.S. changing way back at center ice. On the bench, here's the shot by Hatcher coming across the blue line, and a glove save by Markus Ketterer, Finland. Indeed, Ketterer proved himself invaluable to his Finnish teammates once again early in the game. But at the other end of the ice, Mike Richter of the USA was matching him save for save. Curry now comes in to help out. Ojanen gets the puck fed to him. And redirects it. The rebound was blocked somehow by Richter. Richter keeps it a scoreless hockey game with a brilliant save. The Americans began to dominate as the period wore on, and it was only a matter of time before something had to give. Modano tries to free the puck from that scramble. Now Modano brings it out to Leach. Leach going and makes the shot. They score! Christian makes it 1-0 for the United States.
number 39 is Craig Wolanin of the Quebec Nordiques. Pass is made to Pat LaFontaine. Missed early Canada Cup action in full swing. Now they score! Olchek fed Mullen. It's 2-0 for the United States. And that was the score after one period. 2-0 USA. The Finns finally got going in the second. 4.5 minutes gone in the second period. Still 2-0 for the United States. Rink-wide lead pass comes out to Salome. And the check is made. The goals will count likely. It's a delayed penalty, and that is a goal for Finland. With Team Finland applying the pressure, Kari Eloranta then took what would be the only penalty in a remarkably unphysical contest. And this would be the turning point in the game. On the United States power play, Chelios feeding Leach. Leach to the New York Rangers, rushing the left side. Leach going right through. Leach shooting. He scores! 3-1 for the United States. When the Finns did try to mount a comeback, they were turned away by the U.S. outstanding goaltender, Mike Richter. Meanwhile, at the other end of the rink, Marcus Ketterer, whose magic in the nets was such an integral part of the Finns' success, was proving himself mortal after all. It was an inopportune time for Ketterer to have his worst period in the tournament, and the American scored 4 third-period goals on just 7 shots. The clock had finally struck midnight for a Cinderella Finnish team that had to be proud of their tournament accomplishments. While the Americans remained true to their mission and coach, Team USA would now await the winner of the second semifinal, Canada versus Sweden, as they continued on their journey with destiny. The Swedes and Canadians returned to the site of Canada's overwhelming victory in Game 3. This definitely would be the last appearance of Börje Salming on Garden's ice. Salming would like nothing more than to help his team upset Wayne Gretzky and a seemingly invincible Team Canada, which had gone through the round-robin portion of the tournament undefeated, with the partisan Canadian crowd solidly behind them. Like they had done in almost every game, Team Canada came out flying. But it was Tommy Soderstrom who stood tall in the Swedish nets. Corson going down the left side. Soderstrom deflects it. Larmer around the back for Gretzky to Larmer. He shoots. Soderstrom can't find it, but the puck is beneath him somewhere. In all,
The Canadian team peppered 18 shots at the Swedish goalie, many from close range, but the lanky Soderstrom refused to be beaten. Canadian goalie Bill Ranford could have caught up in his reading, as the Swedes directed only 5 shots his way, none of them threatening. But the second period had not been a strong one for Team Canada, and if Ranford had been losing his concentration, Sweden quickly caught his attention. Sweden will bring it out with Johansson passing it to Dahlin at the Team Canada blue line. Dahlin works Desjardins going right in. Ranford hugs the pipe, short side is blocked. Ranford couldn't find the puck for a minute, back at his feet now. A scramble in front. Sweden sweeping it out in front. Here's the backhand shot by Johansson, and Ranford hangs on. Like the superhero that he is, when things are starting to go badly, number 99 comes to the rescue. Calle Johansson. Stopping, centering it out, tapped away, and here is a break for Gretzky. Wayne Gretzky's going in alone. Gretzky shoots. He scores! It dribbles in, it's 1-0 Canada. While Gretzky was taking care of business in the nets, Eric Lindros was taking care of business along the boards. With the clock ticking down in the second period, Sweden was hoping they could at least stay close heading into the third. Tocket, Corson. 15 seconds left. They penetrate the Swedish blue line once again. Corson, the hit on Samuelsson. Hrabček takes the puck and back and he scores! Then came 2 more goals in the third period. One by Brent Sutter. The other by Dirk Graham. And it would be the final matchup that everyone had hoped for before the tournament had started. The juggernaut, Team Canada, against the destiny-driven Team USA. As the teams took to the ice in front of a sold-out Montreal Forum, a rumor had spread that Coach Johnson's condition was improving so rapidly, he might even attend one of the final matches. Even so, Johnson was communicating with his squad on an almost hourly basis, trying to devise some kind of plan to stop the first period momentum of the Canadian machine. Canadian coach Mike Keenan hoped that this trend would continue, while his counterpart Tim Taylor looked for the key to at least slow down Team Canada. But it seemed that nothing could be done to halt what had now become Team Canada's characteristically quick start. Now Messier set away at center ice, hits the blue line, Robitaille is with him. Messier circling, Robitaille couldn't get good wood, and it just floats wide. Robitaille winning into the corner in front. A second chance. Desjardins going in a backhand shot. From there, the game developed into a chippy contest, with each team taking their share of meaningless and unwarranted penalties.
Team Canada controlled the first period, but riding the heroics of goalie Mike Richter, Team USA managed to stay close. Up by Brown, kept in by McInnes, giving it off to Gretzky, 35 seconds in the penalty. Lindros, copy shooting, and Richter, the breadbasket, contains that hard drive. When the teams took to the ice to begin the second, the Canadians kept the pressure on a confused USA team. Perhaps no one in hockey has been able to take advantage of a team's flaws like Wayne Gretzky, and that's when number 99 is at his best. Gretzky in the corner has it. Gretzky's wide ankle shot. Richter with a stick redirects that. Coffey taps it back in behind the United States goal. Johnson tying his man up in there. Now Laimer against LaFontaine. Almost got it out to McInnes. It does come to McInnes now. His booming shot. Here's the rebound for Gretzky. This is... With momentum clearly on Team Canada's side, it happened. The check heard round the world. Team Canada trying to clear the zone up the right side. There's a race for the puck. It is Chelios against Gretzky going to the corner. Gretzky turning along the board. Oh, and a crunching check by Gary Suter. Gretzky behind the play now is down. Wayne Gretzky has been hurt. Gretzky is skating out toward the center of the ice-shedding equipment as he goes. What a development this is. Wayne Gretzky is down and obviously in pain. The puck had gone innocently into the corner in the U.S. end with Gretzky and Chris Chelios in pursuit. Gretzky spun around to avoid a hard-charging Chelios, but Gary Suter drove him head first into the boards. With Gretzky struggling to get back into play, he finally collapsed. Gretzky headed to the Forum Clinic. The game and even time itself seemed to stand still. As team doctors worked on the great one, remarkably, no penalty was called. Little did anyone realize at that time that he would not play again in this year's tournament. Just when it appeared the Team USA was on the ropes, one play turned the game around, and the home side once again went into their slide. This is Modano setting up Roenick. Coffey wards him off. Now Roenick, Suter. Suter's taken down by Coffey, and he scores! It's 2-1. The Americans now took control of the game. Only one goal down when goalie Bill Ranford had to go to work. As the teams began the third period, a pall was hanging over the Forum. But the question was, who would lead Team Canada now that Gretzky was gone? That question would soon be answered, as Marc Messier, who had been recruited by Gretzky himself, picked up the fallen standard. Just a few seconds left in the penalty. Coffey going right in, and Richter stops him. And back comes Miller. The United States has killed the power play. When Brent Sutter scored his third goal of the tournament, it was apparent that the American focus had been lost. As the clock ticked down and Canada had won this first game of the best of three final, Mike Keenan's joy had to be tempered by the fact that he had just been told
Wayne Gretzky would have to miss the rest of the series. Final score, Canada 4, USA 1. As the teams took to the ice for the second game of the best of three series, Team Canada knew they must go it alone. Tim Taylor was confident his team would return to the mission they had begun over 2 weeks before. But Team Canada could not look to the Great One for that perfect pass or his on-ice leadership. The only inspiration would come from a private box high above the ice surface. And where they had at one time at least the sympathetic support of the partisan Canadian crowd, the entire U.S. squad now took on the role of villains because of what had happened to their fallen hero. If not for the heroics of goalie Mike Richter, the Gretzky-less Canadian team would have blown out a surprisingly low-key American squad. Shanahan. Lindros sweeps around Hatcher. Lindros steps it in front. Oh, and a great chance there, and a marvelous save by Richter off Shanahan. But even the efforts of Richter couldn't hold back the Canadian charge. As in game one, it was Gretzky's buddy Marc Messier who led the way. Miller against Desjardins, Fleury on the boards. Remember, too, the Americans playing without the great Brian Leetch of the New York Rangers. Messier going in, shooting, he scores! Canada scores first! And the United States fails in its mission to score first tonight. Here's a shot that gets right across the crease. The Canadians now will press for a wider lead. Bouncing puck is loose in the zone. Larmer shooting, he scores! 2-0! Another bright spot in this game continued to be the physical play of Eric Lindros. While his parents were jostling with the media, young Mr. Lindros continued to throw his weight around on the ice. After the first period, no one could have been prouder or happier than number 99 himself. But with the knowledge that the second had been the toughest period in every game Canada played, Gretzky was to see that his fears were well-founded. Once again, they were two different teams that took to the ice, beginning period number two. Vadano playing it for Jeremy Roenick. Back to Mike Vadano. Hatcher keeps it in. Bouncing puck, Vadano in front. They score! Jeremy Roenick scores for the United States. 12 seconds to go on the penalty. It's 2-1. As game momentum swung in favor of the resurging Americans, it was tournament MVP Bill Ranford's time to take control and demonstrate to a sold-out crowd and millions more on international TV just why he's considered the top goalie in the world today. But even the incredible feats of Ranford could not hold off the determined Americans in their quest. Larmer is checked at center by Miller. Miller has got Dave Christian with him. Being forced back to the point to Chelios. Now Miller's got some room. He shoots. He scores! He ties the game for the United States. Thank you.
And as the two teams skated off at the end of the second, an anxious crowd was left to wonder just what the third period might bring. The third period began as a freewheeling, wide-open affair. And off the boards, Murphy has it at center ice for Canada. LaFontaine is forechecking. Chelios can't control the bouncing puck. Tocchet sweeps in with Robitaille. Oh, and Robitaille with a great scoring chance. Off balance as he shot wide. Madonna now, as the Americans look for the fast break with Granato inside the line. Still loose in there. Sweeping at it is Granato. Came off the forehand of Bill Ranford, off on the mask. The tension mounted midway through the third with the score still tied. And when Steve Smith, seen at the top of the screen, took the first penalty of the third period, a hush went over the Coliseum crowd. Mike Keenan sent out his weary defensive unit one more time, and Tim Taylor looked for all the firepower he could muster. The Americans had already scored once on the power play, and as they set up for another attack on the beleaguered Canadian penalty-killing unit, fate took over. Chelios carries on in, takes the hit in the corner from Desjardins, keeps the puck alive, the Hull, across the ice it goes, Larver picks it up, Steve Larver's got a breakaway, Larver going in, he shoots, he scores! Short-handed goal, and Canada regains the lead. Ironically, it was the series villain, Gary Suter, who coughed up the puck. And when Steve Larmer finally got the puck past a desperate Mike Richter, the stadium erupted. That goal took most of the starch out of the U.S. team, with goalie Ranford closing the door. And when Dirk Graham fired the puck into the empty net, the Americans' date with destiny had ended. This is the final minute of the third period. Howlett center ice driving it down, and Richter will skate to the bench. The American net is empty. The extra attacker is on the ice. U.S. jerseys swarming in the Team Canada zone, but here's Larver getting it out. Messier at center ice, feeds Graham, and Canada will win the Canada Cup with 42 seconds to go. Canada had won its third successive Labatt Canada Cup, establishing themselves as the undisputed hockey champions of the world. But Team USA had nothing to hang their heads about. They had made gigantic strides in a short period of time. A most fitting tribute to their mentor, Bob Johnson. Today, Canada reigns supreme. But the world awaits 1995, when the Lords of the Ice will once again compete for the best that hockey has to offer. The Labatt Canada Cup.
Lords of the Ice has been brought to you by Labatt's. Du Canada. Gretzky, il y a un seul défenseur, Stelnov. Lemieux, et court! Quand Mario Lemieux compta le but victorieux à la Coupe Canada 1987, il s'agissait de l'un des plus grands moments dans l'histoire du sport canadien. Mais personne n'aurait pu prédire les profonds changements qui devaient affecter dramatiquement le résultat de la prochaine Coupe Canada Labatt. À peine une année plus tard, la commission Dobbin enquêta sur Ben Johnson après qu'il eut été déclaré positif à un test de dépistage de stéroïdes aux Olympiques de 1988 à Séoul. Un premier ministre aguerri, Brian Mulroney, mit ses rêves sur la constitution du lac Meech désintégrée. Cet échec devait faire chuter la popularité du premier ministre à un niveau sans précédent et diviser la nation. L'Union soviétique ne pouvait plus se permettre de maintenir son contrôle serré sur l'Europe de l'Est. La démolition symbolique du mur de Berlin signifiait que les doctrines de Karl Marx n'avaient pas fonctionné. Seuls les Américains se sont dressés à la fin de la décennie, la guerre la plus volatile de tous les temps. La victoire rapide et décisive a établi davantage les États-Unis comme le pays le plus puissant dans l'histoire de l'homme. L'échec d'une tentative de coup d'État en Union soviétique, quelques jours à peine avant la Coupe Canada-Labatt, n'a fait que prouver davantage à quel point ce pays s'était effondré. Un Viktor Tikhonov fatigué traduit amplement l'inquiétude qui envahissait les cœurs et les esprits de tout le personnel d'entraîneurs et de toute l'équipe. Et avant que la poussière ne retombe dans le tournoi à la ronde de Coupe Canada, le monde verrait exactement à quel point ses peurs étaient bien fondées. Les Américains aussi apparaissaient impressionnés par leur nouveau pouvoir politique et militaire. Ils étaient confiants que peut-être cette fois, ils émergeraient comme une véritable puissance de hockey. Puis à peine 10 jours avant le début du tournoi, leur mentor et l'homme responsable de la montée spectaculaire du hockey aux États-Unis, Bob Johnson, fut frappé par une tumeur cérébrale mettant ses jours en danger. Tim Taylor prit alors les guides de l'équipe. Les sentiments du directeur général Craig Patrick traduisaient ceux de toute une équipe. What are my thoughts? I'm devastated. Équipe Canada n'était pas sans avoir ses propres distractions, elle aussi. Un nombre incroyable de 56 joueurs avaient été invités au camp d'entraînement. Ils se sont présentés animés par un désir intense de représenter leur pays. Étonnamment, plus de 30 joueurs parmi les meilleurs du monde seraient retranchés de l'équipe avant la première partie, incluant le départ tardif et controversé du centre Steve Yzerman. Le personnel d'entraîneurs savait qu'il devait prendre certaines décisions impopulaires, mais tous espéraient que le Great One rendrait tous leurs choix judicieux. Ce serait le Canada contre le reste du monde. Durant 2 semaines, en septembre 1991, le temps semblait s'être arrêté alors que les yeux, les oreilles et les pensées d'une nation entière étaient absorbés par une chose, une seule chose, la Coupe Canada Labatt. Les maîtres de la glace, l'histoire de la Coupe Canada Labatt 91 vous est présentée par Labatt. Alors que la journée d'ouverture arriva finalement, ce qui s'était passé hors de la glace semblait maintenant autant dominer l'esprit de tout le monde que ce qui se passait sur la glace. Et peut-être était-il ironique que la première partie mette aux prises les deux pays communistes. La Tchécoslovaquie ouvrit le tournoi contre l'Union soviétique et le monde se rendit compte en peu de temps à quel point l'équipe soviétique, jadis si puissante, avait chuté. Mais personne ne pouvait avoir prédit ce qui devait arriver avant que la poussière ne soit retombée et que la sirène ne retentisse à la fin de la première période. Les Tchèques semblaient attaquer avec facilité, envahissant la zone des Soviétiques par vagues. Et Koenig fut le premier à inscrire son équipe au tableau, au grand plaisir des amateurs des prairies, alors qu'il compta tout juste après la marque de 6 minutes. Un peu plus d'une minute plus tard, Zemlika obtint le premier de ses 2 buts de la partie, alors que les Tchèques dominaient totalement la partie. Here's Jelinek.
Et alors, tandis que les secondes s'écoulaient au tableau, Gélinek compléta la marque du premier 20 au grand désarroi d'un Viktor Tikhonov traumatisé. Tikhonov, habituellement imperturbable, montrait des signes de tension qui avaient déjà été ressentis à la grandeur de l'Union soviétique. Ces athlètes n'étaient pas les mêmes Russes que nous avions connus dans le passé. L'équipe soviétique réussit quand même à éprouver le gardien Dominik Hašek à 39 reprises, mais celui-ci le résista coup sur coup. Deux autres buts des Tchèques en début de la troisième période changeaient la spéculation en réalité. Et bien que les Russes aient ajouté deux autres buts vers la fin de la partie, la fatalité de ce qui devait arriver se lisait sur les visages de tous les joueurs soviétiques et du personnel d'entraîneur. Compte final, Tchécoslovaquie 5, Russie 2. Viktor Tikhonov ne pouvait qu'espérer que la prochaine partie apporterait de meilleurs résultats. La première ronde de partie continua, cette fois dans un Pittsburgh Civic Arena rempli à pleine capacité. Tandis que leur entraîneur, dans un état critique, était hospitalisé à proximité, les joueurs de Team USA avaient dédié en l'honneur de Bob Johnson leur performance pour tout le tournoi. Menés par Jeremy Roenick, les Américains jouaient en effet comme une équipe qui avait une mission. Voilà! Oh, le but! Quel but incroyable réalisé par Jeremy Roenick! Mike Modano. Voilà Granato qui intervient de l'autre côté à Chelios qui se porte en attaque. Voilà une belle ouverture pour Modano. Passe du revers. Et là, le tir et le but! Jeremy Roenick! Modano qui se présente devant Kjell Samuelsson avec une passe qui touche un patin. C'est Sandstrom qui rate la sienne. Du revers maintenant au Riederwall et le but! Encore ce trio et c'est Tony Granato qui marque. La première période se termina par un score de 3-0 en faveur de Team USA. Une avance qu'ils augmentèrent à 5-0 à mi-chemin de la partie. À ce point-là, la réalité de la situation avait peut-être exercé son effet puisque la majorité des joueurs américains tombèrent en léthargie, laissant les Suédois revenir de l'arrière. Carly Johansson. C'est repris par Sandstrom vers Nestlund et... Oh, Nestlund qui marque! Oui, Richter a été déjoué. Voilà une longue passe maintenant vers Garpenlof. Il y a une ouverture pour lui. Garpenlof remet Samuelsson et tire le but! Kjell Samuelsson. Et voilà le troisième but des Suédois. Oh, sans avertissement, c'est Charles Berglund qui a déjoué Richter entre les jambières. Mais le joueur de la partie, Craig Janney, trancha en faveur des Américains avec moins de 3 minutes à jouer. Les joueurs, tout comme les amateurs, étaient confiants que cette équipe en était une de destinée. Mais tous savaient qu'ils devraient puiser au fond de leurs ressources et de leur inspiration pour la prochaine partie, alors qu'ils devraient se frotter à une équipe Canada apparemment invincible. En raison des problèmes qui affectaient toutes les autres formations, Équipe Canada a amorcé le tournoi à titre de grand favori pour récidiver comme champion de la Coupe Canada. Les entraîneurs sentaient qu'ils étaient prêts. On est une équipe qui est quand même assez physique, assez gros, qui va avoir besoin de ça dans ce tournoi-là. Également, on a des joueurs qui peuvent jouer un certain rôle. Et ça, c'est très important dans un tournoi à court terme de même. Et quand tu mets tout ça ensemble, je pense que l'équipe a de bonne chimie. Puis, je pense qu'on est prêt. Et prêt, il l'était en effet. L'entraîneur Mike Keenan espérait qu'il pourrait diriger la concentration de son équipe, non seulement sur le fait de gagner la Coupe Canada, la battre, mais centrer celle-ci sur le problème plus immédiat de battre une équipe finlandaise améliorée et courageuse, qui curieusement n'avait jamais gagné une partie en compétition dans ce tournoi. Le plan des Finlandais était simple. Bloquer le centre de la patinoire et leur ligne bleue. Ils croyaient que s'ils pouvaient ralentir les très puissants Canadiens et profiter de quelques chances à l'offensive, ils frustraient une équipe Canada à talents multiples et pourraient alors capitaliser sur leurs erreurs. Ils suivirent ce plan à la perfection. Maintes et maintes fois, Équipe Canada était incapable de pénétrer une défensive finlandaise obstinée. Les Finlandais jouaient la partie de leur vie et à 14 minutes de la première période, Équipe Canada n'avait toujours pas réussi à s'inscrire au pointage. De retour en zone de la Finlande, c'est Courtnall devance
ville et sirène. Robitaille, un tir, et go! Voici ce qu'on disait ce matin, Pat Burns, Luc Robitaille va compter des buts importants. Malgré le but de Robitaille avec moins de 6 minutes à jouer en première période, l'équipe finlandaise ne cédait pas à la panique. Ils demeuraient aux trousses d'une équipe Canada qui semblait confuse. Le travail inlassable de l'équipe finlandaise rapporta finalement des dividendes. Ojanen maintenant qui pénètre en zone du Canada. Ojanen lance et deux points et court! Sur son retour de lancer. Vers le milieu de la partie, le plan de match des Finlandais marchait à merveille. Lorsque les Canadiens réussissaient à percer la défensive avare des Finlandais, ils se butaient à un Markus Ketterer encore plus avare. Secouant la tête avec incrédulité, le Great One lui-même ne revenait pas des exploits de Markus Ketterer et les pires craintes de Mike Keenan se matérialisaient. Il ne pouvait qu'espérer que son équipe sorte de sa torpeur au fur et à mesure que le match progressait. Mais la réalité est que l'équipe Canada avait trop de puissance, même pour un gardien en très grande forme et un plan de match solide comme celui des Finlandais. Les Canadiens pressèrent le tempo afin de regagner l'avantage. Un tir au Saint-Dévier et le but! Shanahan! Lorsque Brandon Shanahan, avec l'aide de Paul Coffey, permit au Canada de prendre les devants à la fin de la deuxième période, un soupir de soulagement collectif résonna aux quatre coins du Maple Leaf Gardens. Mais encore une fois, les Finlandais s'en tinrent à leur plan de match, essayant de forcer l'équipe Canada pour qu'elle fasse juste une autre erreur. Et les Finlandais qui viennent de rater une excellente occasion de niveler les chances avec un jeu de puissance. Et là encore, le but! On va l'accorder, le but! Ici, c'est... C'est un retour de lancer. Et si je m'appuie, Ojanen, qui était encore superbe ce soir. Alors que les dernières secondes s'écoulaient au tableau, les Finlandais étaient venus aussi près de causer une surprise majeure. Le compte final indiquait deux choses très importantes pour la Coupe Canada-Labatt 1991. Premièrement, l'édition 1991 de l'équipe finlandaise ne devait pas être prise à la légère. Et deuxièmement, l'équipe Canada devrait travailler un peu plus fort si elle désirait aller jusqu'au bout. Les Finlandais et les Tchèques amorcèrent tous deux la deuxième partie du tournoi, inspirés par leur récent succès. La Tchécoslovaquie espérait utiliser son style offensif audacieux pour contrer une équipe finlandaise à caractère défensif, tandis que cette dernière comptait sur sa patience et se promettait d'attendre les chances de marquer. Les deux équipes tinrent leurs promesses. Les impitoyables Tchèques pénétraient maintes et maintes fois la défensive délabrée d'une équipe finlandaise, visiblement fatiguée. À chaque fois, ils étaient repoussés par les arrêts acrobatiques du gardien finlandais Markus Ketterer. Il semblait que cette partie se solderait par un score nul, jusqu'à ce qu'avec moins de 30 secondes à jouer, les Finlandais profitent de la chance qu'ils attendaient. Une erreur coûteuse des Tchèques dans le fond de leur zone se solda par un but de la Finlande, le seul de la rencontre. Ce fut un moment historique pour l'équipe nationale de la Finlande. C'était leur toute première victoire en compétition à la Coupe Canada et pour le moment, ils occupaient la première place au classement. Qui aurait pensé quand les Suédois ont affronté les Russes dans leur deuxième partie que, à la fin de celle-ci, une des grandes puissances du hockey occuperait la dernière place au classement? Les Soviétiques affichèrent le même genre de léthargie qui les avait habités durant leur partie d'ouverture contre les Tchèques.
Kuzma. Avec une mauvaise passe interceptée par Sundin. Dans l'enclave, mais pas le tir et le but! Thomas Rundqvist. Après deux périodes, il détenait une avance confortable sur l'équipe soviétique. La rage affichée plus tôt par Viktor Tikhonov s'était maintenant transformée en confusion. Il voyait son programme de hockey, jadis la fierté de son pays, s'écrouler dans la confusion la plus totale. Mais les Soviétiques, puisant au fond de leurs énergies, remontèrent la pente en troisième et ils ressemblaient beaucoup plus à la grosse machine rouge d'autrefois. La Suède, mais tout de suite repris par Semak. Encore 5 secondes à la pénalité à Kjell Samuelsson. Voilà Tsamnov à Semak dans le coin. Semak qui tire, mais Soderstrom a fermé l'angle et le but! Tsamnov qui avait été laissé seul. En troisième période, 2-1 la Suède. Voilà Lomaki qui fait une chute face à Tsamnov. Tsamnov dont la passe touche un patin. Oh là! Quelle chance incroyable! Et les Soviétiques en profitent. C'est 2-2. Alexander Semak. Les Suédois faiblissaient à vue d'œil et les Russes appliquaient de la pression. C'est alors que les Suédois répliquèrent grâce à une paire de buts de Thomas Sandström sur des passes de Steen. Et voilà Sandström maintenant qui s'avance, le tir et le but! Peu importe à quel point ils essayaient, les Soviétiques étaient incapables de retrouver cet instinct de tueur qui fut jadis leur marque de commerce. Et quand la sirène annonça la fin du match, les Russes se retrouvèrent dans la cave du classement de la Coupe Canada. La partie la plus attendue du tournoi à ce jour vit Team USA se présenter au Cops Coliseum d'Hamilton pour affronter une équipe Canada encore étourdie par sa nulle contre la Finlande dans la première partie. Le football gagne, c'est comme on dit, do or die. Et puis, si ça n'a rien à voir, donc, nous autres, pour ce soir, c'est un nouveau match. On a annulé le dernier, donc, il faut absolument gagner. Puis, eux autres, ils veulent continuer. Pendant ce temps, Tim Taylor et son équipe continuaient de capitaliser sur l'inspiration que leur avait fournie leur entraîneur Bob Johnson, qui était toujours hospitalisé à Pittsburgh. Mais peut-être que la pression et le traumatisme causés par les événements des derniers jours avaient affecté Team USA. Et durant la première moitié de la partie, ils semblaient figés sur place, se contentant de regarder équipe Canada. Le Great One, Wayne Gretzky, qui avait été tenu en échec lors de la première partie, prit finalement les choses en main. À McInnes, le tir frappé. Oh, c'est passé à la droite du but. Là, c'est Gary Suter qui intervient, mais Gretzky reprend de l'autre côté. Gretzky hésite. Regarde bien la situation. Et là, le but! Lindros! Un tir repoussé par Renford. Et ensuite, Brett Hull qui vient de se faire voler littéralement. Hull s'est fait voler un but, mais Gretzky est en contre-attaque, 2-1. Gretzky, Larmer, court! À mi-chemin de la partie, équipe Canada détenait un avantage apparemment insurmontable de 5-0. Mais alors, par quelque inspiration divine, l'équipe américaine sortit de sa torpeur et commença à jouer et à frapper équipe Canada. Ce volte-face abrupte prit équipe Canada totalement par surprise. Craig Janney des Bruins de Boston compta le premier but des Américains sur des passes de Kevin Hatcher et Tony Granato. Après une mêlée devant le filet. Je crois que c'est Craig Janney. Et le Golden Brett compte à moins de 4 minutes plus tard. Devant Murphy. La passe de l'autre côté à Brett Hull. Et court! On vient juste de parler de lui, mais ça arrive toujours. Mais quand même, le jeu était bien préparé. Et Brett Hull qui se présente devant le gardien de but.
Ici, c'est 5 le deuxième but de la soirée de Craig Janney réduisit l'écart à 5-3 au début de la troisième période. Puis, Joel Otto réduisit l'écart à un but avec plus de 10 minutes à faire. Il semblait peut-être que le destin s'était rangé du côté de Team USA, mais il n'en fut pas ainsi. L'arbitre Don Kowarski refusa ce but, car il avait déjà signalé une pénalité pour interférence contre Ed Olczyk. Cela devait clouer le cercueil des courageux Américains. Encore une fois, ce devait être Gretzky, qui, tel un tigre traquant une proie blessée, ressentit cet immense relâchement émotionnel. La frappe de McInnes est passée à la gauche du but et Lindros a bien failli en compter un autre. Et là, le but! Le Great One, de concert avec le Next One, Eric Lindros, refoula les Américains pour le moment. L'équipe Canada a joué ce soir comme c'était un septième match pour la Coupe Stanley, ou on est mieux pour la finale pour la Coupe Canada. Ils ont été inspirés, ils ont joué avec beaucoup de cohésion, beaucoup d'intensité. Et je pense que les Suédois qui ont regardé le match ce soir se sont dit qu'on va pouvoir jouer le maximum de notre habilité si on veut battre l'équipe Canada. Ainsi, à la fin de la deuxième ronde de partie, le Canada et les surprenants Finlandais occupaient le haut du classement. Les Soviétiques, eux, étaient toujours à la recherche de leur première victoire. Alors que la troisième ronde commençait, les Finlandais revinrent sur terre et les Soviétiques affichèrent un peu plus de leur gloire des plus beaux jours, dominant nettement la rencontre. Le gardien finlandais, Markus Ketterer, ne parvint pas à répéter ses exploits au cours de cette soirée. Il remet à Goussarov, des Nordiques de Québec, longue passe de Goussarov à Gordiouk. Gordiouk qui repère de l'autre côté. Boutsayev, un tir qui est... Et le but! Il a perdu le disque et les Soviétiques qui prennent les devants 1-0. Voilà une longue passe pour Haïdarov. Haïdarov surveillé par Boura. Là, c'est Goussarov qui reprend. Voilà son tir et bel arrêt de Ketterer. Le retour et le but! Les Soviétiques enfilèrent 3 buts au cours de la première période, bombardant le portier finlandais qui, assiégé de toutes parts, céda sa place avant le début de la seconde période. L'assaut des Soviétiques se poursuivit. Un total de 40 lancés sur les 2 gardiens finlandais se solda par 3 autres buts des Soviétiques. Le compte final fut 6-1 et Viktor Tikhonov put enfin se reposer ce soir-là, espérant que son club avait finalement retrouvé le chemin de la victoire. Il savait cependant qu'une équipe américaine inspirée se dresserait devant sa troupe. Les Américains rencontrèrent les Tchèques au Joe Louis Arena dans leur troisième partie. Les deux équipes semblaient ressentir les effets de leur défaite des parties précédentes. Offrant une performance terne devant des gradins parsemés, aucune des deux équipes ne semblait jouer avec l'intensité qui les avait transportés au cours des 2 premières parties du tournoi. Pat LaFontaine donna une priorité de 1-0 aux Américains. Puis, grâce à son 3e but du tournoi, Jeremy Roenick porta la marque à 2-0 pour son équipe. Les Tchèques réduisirent la marge lorsque Tomáš Jelínek, avec un tir ricochant à l'intérieur du poteau, porta la marque 2-1. Puis, Joel Otto porta de nouveau l'écart à 2 buts. Jaromír Jágr ramena une équipe tchèque entêtée à 1 seul but d'écart. Mais le 1er but de Mike Modano dans le tournoi de la Coupe Canada permit aux Américains de s'envoler avec la victoire. À la fin, les Américains se considéraient chanceux d'avoir remporté une victoire de 4-2, sachant qu'ils devaient être meilleurs la prochaine fois s'ils voulaient vaincre une équipe soviétique refaisant surface. Cette soirée devait mettre en évidence le retour au Maple Leaf Gardens de Toronto de l'ex-légende des Leafs, Boreas Salming. Mais encore une fois, ce fut le Great One qui vola la vedette. Avant que la plupart des quelques 15 000 amateurs qui remplissaient le Maple Leaf Gardens aient eu le temps de prendre confortablement place dans leur siège, Gretzky offrit une impressionnante exhibition de ses dons magiques. Il reste 55 secondes à la pénalité à Fleury. 15 minutes 55 à écouler à la première période. C'est toujours 0-0. Oh, le but, Larmer! Gretzky, Coffey. Gretzky, Coffey, goal! Gretzky reprend plus belle au centre. Il est en zone adverse à Dirk Graham. Et goal! Wayne Gretzky a toujours fait tout dans l'Association mondiale, dans l'équipe junior,
dans la Ligue nationale. C'est un joueur qui est doué d'une intelligence extraordinaire sur la patinoire. Avec moins de 7 minutes et demie à jouer, l'équipe Canada détenait déjà un avantage de 3 buts. À partir de ce moment-là, le jeu s'effrita considérablement, donnant la partie la plus terne du tournoi à ce jour. Cependant, une mise en échec dure, mais légale, de Eric Lindros aura été le fait saillant dont les amateurs se sont le plus souvenus au cours de cette soirée. Lindros, qui avait déjà établi sa réputation comme joueur robuste, mit toute la force qu'il pouvait canaliser pour plaquer Old Samuelson. Samuelson se retrouva hors de combat et Lindros gagna l'admiration de tous. Les Suédois furent incapables de générer une attaque soutenue par la suite et le Canada remporta une victoire ardue de 4 à 1. Alors que la quatrième ronde de la Coupe Canada Lavap commençait, la Finlande retrouva le chemin de la victoire, défaisant une équipe suédoise qui semblait vaciller suite à sa défaite aux mains des Canadiens deux jours plus tôt. La quatrième partie du tournoi fut la plus facile pour le Canada. Ils marquèrent à 5 reprises à la première période pour battre une troupe tchécoslovaque qui semblait avoir autre chose que le hockey en tête. Les plus grosses réactions de la foule du Forum de Montréal furent réservées à Eric Lindros, dont le refus de jouer pour les Nordiques de Québec était reçu de façon très émotive dans la belle province. Le Canada détruisit les Tchèques comme si la partie elle-même n'avait été qu'une attraction secondaire à la saga Lindros. Alors qu'Équipe Canada se préparait pour sa partie contre l'Union soviétique à Québec, personne ne savait réellement à quoi s'attendre. Le monde de Québec. Des fois, c'est du bien trop bon monde. Je ne sais pas moi ce qu'ils vont manger. Peut-être qu'ils mériteraient un pied dans le derrière. Peut-être qu'ils mériteraient des applaudissements. Les gens choisiront. La partie de la quatrième ronde fut celle qui impliquait Team USA et l'Union soviétique. Une défaite des Soviétiques mettait pratiquement fin à leurs espoirs de se tarir une place pour la ronde éliminatoire. Les Américains espéraient garder le pas avec le Canada et la surprenante équipe finlandaise. Cette partie devait présenter un autre miracle sur la glace. Les Américains continuaient de tirer leur inspiration de Bob Johnson, qui, bien que toujours dans un état critique, leur envoyait étonnamment des notes et traçait les grandes lignes du plan de match. Les Américains ne mirent pas longtemps à mettre en application le plan de l'entraîneur Johnson. À peine 3 minutes après le début de la partie, ils s'inscrivaient au pointage grâce à une belle série de passes transversales entre Hall, Roenick et Modano. Ironic, nice move on Kravchuk. Centers it in front. The drive, the score! Modano!
Mais tout comme à Lake Placid, alors que le gardien Jim Craig avait repoussé les assauts répétés des Soviétiques, cette fois, c'était un autre gardien nommé Mike Richter qui refusait de céder. Quand Pat LaFontaine compta vers la fin du deuxième 20, la foule du stadium explosa littéralement. The backhand pass by Leach doesn't get through. Now a Benzera. LaFontaine scores! Le dilemme des Soviétiques, battre un Mike Richter apparemment invincible. Mais c'était tout ce que Mike Richter accordait ce soir-là. Et les Américains demeuraient à un point des Canadiens en deuxième place. Les Soviétiques, eux, espéraient toujours qu'un miracle leur permette de se faufiler dans la ronde éliminatoire. Au moment où les Soviétiques devaient se frotter au Canada dans la dernière partie du tournoi à la ronde, leur sort avait déjà été décidé en raison d'une victoire de l'équipe suédoise sur la Tchécoslovaquie plus tôt dans la journée. Mais cela ne refroidit pas les émotions qui envahissaient le Colisée de Québec. L'histoire qui avait dominé les grands titres de la Coupe Canada-Labatt était sur le point de connaître son dénouement. Eric Lindros, la merveille de 18 ans, n'était pas revenu sur son refus de jouer pour les Nordiques. It's just a business decision. And that's all. I mean, everyone else has a choice to choose where they want to work. And you know, have their own decision, you know, about careers that they feel is necessary. And I'm the same way. Il va être échangé. Fait que pour nous autres, c'est pas une base de négociation. Mais ce qu'il a dit depuis le début de l'année, c'est qu'il voulait être heureux, il voulait réussir, puis il voulait faire de l'argent, comme toi et moi. Puis s'il veut faire ça, on sait qu'il peut faire ça à Québec. Malgré leur verve parfois animée, les amateurs de hockey de Québec n'étaient pas sur le point de laisser le jeune Lindros accaparer toute leur attention durant la soirée. S'il avait choisi de demeurer un héros de hockey distant en attendant d'être consacré, d'autres joueurs dont la valeur ne faisait aucun doute étaient à l'œuvre. La partie elle-même serait la seule confrontation directe entre les deux superpuissances traditionnelles du hockey dans la Coupe Canada à Labatt 1991. Et malgré leurs places respectives au classement, les deux équipes ne désappointèrent pas le public. Dans le coin à Café, devant le but! Lindros! Pour Lindros, il s'agissait de son troisième but du tournoi, alors qu'il ajoutait un peu d'huile sur un feu déjà ardent. Ça a été un accueil très civilisé réservé à Eric Lindros. Et c'est de cette façon que les Québécois ont toujours vu les choses. Ils n'ont pas toujours compris ce qu'Eric Lindros a voulu leur dire. Ils ne le comprennent pas encore. S'ils avaient la chance de lui parler directement, ils lui auraient dit tout simplement, « Hey, le jeune, cesse de faire le stupide, cesse de parler pour rien. On a besoin de toi, Québec. » Ça fait 4 ans que les Nordiques perdent. Ils veulent avoir une équipe gagnante. Et Lindros est justement le genre de joueur qui peut transformer une équipe et en faire une équipe gagnante. La partie se termina 3-3, Brent Sutter obtenant le but égalisateur avec un peu plus de 5 minutes à jouer dans le match. Et là, Brent Sutter, fort! Le point, bien que non crucial pour les espoirs du Canada dans la ronde des médailles, était important, puisqu'il donnait le premier rang dans le tournoi à la ronde.
Pour ce qui est des Soviétiques, ce point leur permettait de quitter la cave. Un regard plus étroit sur le classement indiquait que pour la première fois, les Tchécoslovaques et les Soviétiques ne s'étaient pas qualifiés pour la ronde éliminatoire, alors que pour la première fois en 5 Coupes Canada, les Finlandais et les Américains y étaient parvenus. De plus, ces deux mêmes équipes se rencontreraient dans la partie de la première demi-finale et le gagnant représenterait une menace pour remporter les honneurs de la Coupe Canada Labatt 1991. La troupe américaine était toujours transportée par la pensée de son entraîneur qui, étonnamment, montrait des signes d'amélioration et avait été transférée à un hôpital de l'État du Colorado et il demeure. Les Finlandais semblaient tout à fait médusés. Leur entraîneur, Pentti Matokainen, savait qu'il était à coup sûr la surprise du tournoi, mais il semblait aussi surpris que tout le monde de s'être rendu si loin. À mi-chemin de la première période, il n'y avait toujours pas de but. L'entraîneur Matokainen ne pouvait qu'espérer alors que la partie progressait et que ses joueurs se réveilleraient. Mais les Américains voulaient prouver qu'ils possédaient la meilleure attaque du tournoi. En effet, Ketterer s'avéra encore une fois inestimable pour ses coéquipiers finlandais. Et à l'autre bout de la glace, Mike Richter de Team USA le regardait accomplir arrêt sur arrêt. Les Américains commencèrent à dominer alors que la période progressait. Ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne se passe. Un échec avant solide procura une avance de 1-0 à Team USA, alors que Dave Christian convertit une passe de Brian Leach. Le Canadien et John Allen qui compte. Un double check avec une passe devant pour Mullen. Et Mullen qui ne rate pas une belle occasion là-dessus. Donc, à la fin de la première période, c'était 2-0 pour les Américains. Mais les Finlandais semblèrent se réveiller dans la deuxième période. C'est saisi par Lokanen. Longue passe au centre à Teemu Selänne. Selänne à Christian Routou. Vers Lokanen, c'est beau. Il a été accroché. Et Petris Kriko qui compte! L'équipe finlandaise appliquant la pression, Kari et Loranta prit alors ce qui devait être la seule pénalité d'un match qui manquait décidément de robustesse. Et ceci s'avérerait le point tournant de la partie. Le défenseur Brian Leach démontre pourquoi les Rangers le considèrent parmi les joueurs élites de la Ligue nationale, alors qu'il compte pour procurer de nouveau un coussin de 2 buts pour Team USA. Quand les Finlandais tentèrent de remonter la pente, ils se virent repoussés par l'excellent gardien américain Mike Richter. À l'autre bout de la glace, le gardien Markus Ketterer, dont le rendement magique dans les buts avait constitué une partie tellement intégrante des succès des Finlandais, prouvait qu'il n'était pas infaillible. Le temps était mal choisi pour connaître sa pire sortie depuis le début du tournoi, et les Américains en profitèrent pour enregistrer 4 buts sur seulement 7 lancés en 3e période. Cette joute semblait réellement terminée avant même qu'il n'ait commencé. Les Américains demeuraient fidèles à leur mission et à leur entraîneur. Et les Finlandais étaient heureux de s'être rendus aussi loin qu'ils l'avaient fait. Team USA attendrait maintenant les gagnants de la 2e demi-finale, le Canada ou la Suède, alors qu'elle poursuivait sa route vers le destin. Les surprenants Suédois avaient donné à leur vétéran leader, le vieillissant Börje Salming, une dernière chance de patiner sur la glace du Maple Leaf Gardens.
Une apparition inattendue qu'il espérait voir se terminer par une victoire surprise contre Wayne Gretzky et une équipe Canada apparemment invincible qui avait été invaincue durant le tournoi à la ronde. Et comme elle l'avait fait dans presque chaque partie, l'équipe Canada débuta le match à folle allure, mais Tommy Soderstrom se dressa devant son attaque dans les buts des Suédois. Avec Larmer qui remet profondément en zone adverse. Ensuite, ça longe la rampe jusqu'à l'intervention de Gretzky devant. Oh, bel arrêt de Soderstrom devant Larmer. Il a jeté un coup d'œil derrière lui, mais il était bel et bien en possession de la rondelle. En tout, l'équipe Canada avait bombardé le gardien suédois de 18 lancers, dont plusieurs de près. Mais le grand Soderstrom refusa de céder. Le gardien canadien, Bill Ranford, avait la vie beaucoup plus facile, alors que les Suédois ne dirigèrent que 5 lancers en sa direction, dont aucun ne représentait une menace. Mais Ranford ne devait pas demeurer trop confortable. La deuxième période n'avait pas été le point fort d'équipe Canada jusque-là dans le tournoi cette année. Et en effet, les deux équipes semblaient presque échanger leur chandail. Et si jamais Ranford avait perdu sa concentration, la troupe suédoise se chargeait de capter rapidement son attention. Johansson qui tire du revers, c'est bloqué par Ranford. Et tout comme le super-héros qu'il est lorsque les choses se mettent à aller mal, le numéro 99 vint à la rescousse. Calle Johansson devant Coffey revient sur ses pas. La remise de l'autre côté, ce sera coupé par Gretzky. Il va filer seul devant le gardien. Il lance et Soderstrom! Et il court! Tandis que Gretzky s'occupait de l'offensive, Eric Lindros s'occupait, lui, des mises en échec le long des rampes. Au fur et à mesure que les secondes s'égrenaient au tableau, la Suède espérait qu'elle pourrait au moins rester à la portée du Canada à la fin de la deuxième période. C'est Corson qui reprend. Anglais en territoire de la Suède. Samuelsson à la poursuite du disque. Hawerchuk reprend. Devant. Le but! Tockett! But très important avec 10 secondes à faire en deuxième période. Puis deux autres buts furent marqués dans la troisième période. Un par Brent Sutter et l'autre par Dirk Graham. La finale mettait donc aux prises les deux équipes que tous auraient aimé voir avant le début du tournoi. La force irrésistible d'équipe Canada contre Team USA transportée par le destin.
Quand les équipes se présentèrent sur la glace devant un forum rempli à pleine capacité, une rumeur se propagea à l'effet que la condition de l'entraîneur Johnson s'était améliorée si rapidement qu'il pourrait même assister à l'une des parties de la finale. Tout de même, il communiquait avec sa troupe presque à toutes les heures pour formuler un plan visant à arrêter le dynamisme qu'affichait la machine canadienne en première période. Mike Kidden espérait que cette tendance se poursuivrait alors que le remplaçant de Bob Johnson, Tim Taylor, cherchait la clé pour au moins ralentir Équipe Canada. Mais il semblait que rien ne pouvait être fait pour mettre un terme à ce qui était maintenant devenu les débuts de matchs rapides caractéristiques à Équipe Canada. Ici, se présente devant Brian Leach, là, de l'autre côté devant Chelio. Belle passe à Robitaille. Oh, Robitaille a raté une belle chance, là. Tout y était. Robitaille reprend. La passe devant. Messieurs, il tire, c'est bloqué par Richter. Desjardins maintenant, un lancer, court! Mais à ce point-là, la partie dégénérant en rencontre au jeu décousu. Chaque équipe s'échangeant des pénalités sans signification et injustifiées. Quand les deux équipes retournèrent sur la glace pour la deuxième période, les Canadiens gardèrent la pression sur une troupe américaine apparemment confuse. Peut-être que personne dans l'histoire du hockey n'a été capable de tirer avantage des défauts de l'adversaire, comme le fait Wayne Gretzky. C'est dans ces moments que le numéro 99 est à son mieux. Café pousse la rondelle dans le coin. C'est Corson à la poursuite du disque. Il est retenu par Johnson. Un peu plus loin, c'est Larmer. Et il y avait aussi Pat Lafontaine. McInnes, oh, bel arrêt encore de Richter. Et le but! Steve Larmer! Alors que l'avantage était clairement du côté d'Équipe Canada, ce qui devait arriver arriva. La mise en échec entendue à travers le monde. Alors voilà une rondelle expédiée profondément en territoire américain. C'est la course par Gretzky et Chelios. Gretzky qui évite Chelios et Sauter, Gary Sauter des Flames, qui est venu frapper rondement Gretzky le long de la rampe. Gretzky qui a du mal à se relever. Oh, il a été blessé. Gretzky qui a été blessé suite à cette mise en échec de Gary Sauter. Le disque se retrouva innocemment dans le coin de la patinoire dans la zone des Américains. Gretzky et Chelios se lancèrent à sa poursuite. Gretzky virevolta pour éviter une sévère mise en échec de la part de Chelios, mais c'est Gary Sauter qui avait maintenant Gretzky dans sa mire et qui le frappait contre la rampe, où Gretzky allait choir tête première. Gretzky se dirigea alors vers la clinique du Forum. La partie et même le temps s'arrêtèrent alors que les médecins se penchaient sur le cas du Great One. Étonnamment, aucune pénalité ne fut imposée pour le geste de Sauter. Personne ne réalisait vraiment à ce moment que le Great One ne jouerait plus dans le tournoi de cette année. Au même moment où Team USA semblait acculé au pied du mur, un jeu sembla faire tourner le vent et l'équipe locale devait retraiter encore une fois. Hatcher à Modano et ensuite Ronick en zone du Canada devant Café, revient sur ses pas, cherche une ouverture, oh Sauter, Sauter lance et le but! Les Américains avaient maintenant pris le contrôle de la partie et l'écart n'était que de un but quand le gardien Bill Ranford dut se mettre au travail.
En troisième période, la question était de savoir qui mènerait l'équipe Canada maintenant que Gretzky était hors de combat. Cette question trouverait bientôt une réponse en la personne de Mark Messier, qui n'avait même pas voulu jouer dans le tournoi jusqu'à ce que Gretzky le convainque de joindre les rangs d'équipe Canada. Coffey reprend plus belle à Messier. Messier vers le but! On avait dit qu'il jouait un bon match, son meilleur depuis le début du tournoi. Et quand Brent Sutter compta son troisième but du tournoi, il devint évident maintenant que les Américains avaient perdu toute leur concentration. Alors que les dernières secondes s'écoulaient au tableau et qu'il était devenu évident que le Canada avait gagné la première partie de cette finale 2-3, la joie de Mike Keenan devait être tempérée par le fait que l'on venait juste de lui rapporter que Wayne Gretzky devait rater le reste des séries. Compte final, Canada 4, Team USA 1. Alors que les deux équipes sautèrent sur la glace pour la deuxième partie de la série 2-3, équipe Canada savait qu'elle devrait se débrouiller toute seule. Tim Taylor était confiant, lui, que son équipe retrouverait la mission qu'il s'était confiée deux semaines auparavant. Mais équipe Canada ne pouvait pas s'en remettre au Great One pour leur fournir son jeu exceptionnel ou son leadership sur la glace dont avaient tant besoin ses coéquipiers. La seule inspiration qu'il aurait pu fournir aurait été de quitter sa loge privée au sommet de la bâtisse et de descendre sur la glace. Well, obviously, it's going to affect the team. He's the best player in the world and certainly the best player in our team. But it's a team game and we're going to have to make adjustments accordingly and pick up extra efforts from all the players on our hockey club. Et bien qu'elle ait eu à un moment donné au moins un appui sympathique de la foule canadienne partisane, toute la troupe américaine avait maintenant pris le rôle de vilain, en raison bien sûr de ce qui était arrivé à leur héros tombé au combat. Et n'eût été des arrêts acrobatiques du gardien Mike Richter, la troupe canadienne privée de Gretzky aurait littéralement pulvérisé une équipe américaine démoralisée. À Brandon Shanahan, à Lindros. Il cherche à contourner Kevin Hatcher. Et ensuite, oh! Richter qui vient de voler un but au Canada! Mais même les efforts spectaculaires de Richter ne parviendront pas à contenir la charge des Canadiens. Tout comme dans la première partie, ce fut le copain de Gretzky, Mark Messier, qui devait montrer le chemin. Mark Messier en attaque. Il est déjà en territoire des Américains. Et court! Alors le Canada a pris les devants 1-0 et a bien failli ajouter un autre but. Larmer était à l'embouchure du but. Il n'a pu toucher à la rondelle pour la faire dévier. Larmer encore. Une deuxième fois. Là, il bataille. Et court! Un autre point positif dans cette partie fut le jeu physique que continua d'afficher Eric Lindros. Tandis que ses parents étaient assaillis de toutes parts par les médias, Lindros bousculait tout sur la glace. Après la première période, personne n'aurait pu être aussi fier ou heureux que le numéro 99 lui-même. Mais, sachant que la deuxième période s'était avérée la plus dure à toutes les parties, Gretzky s'aperçut que ses craintes étaient bien fondées. Encore une fois, c'était deux équipes différentes qui se présentaient sur la patinoire au début de la deuxième période. Hatcher, un lancer bloqué partiellement. Et Modano, et le but! Roenick! Belle pièce de jeu là-dessus.
Alors que l'avantage de la partie tourna du côté des Braves américains, ce fut au tour du joueur le plus utile du tournoi, Bill Ranford, de prendre le contrôle et de démontrer à la foule remplissant l'amphithéâtre et à des millions de téléspectateurs pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but au monde aujourd'hui. Mais même les arrêts incroyables de Ranford ne pouvaient retenir éternellement les Américains déterminés dans leur combat. Miller lui a enlevé la rondelle. Miller qui est réapplique en zone du Canada, revient sur ses pas, cherche un coéquipier de l'œil, c'est Chelios. Oh, belle passe à Miller. Et contre! Alors que les deux équipes sortaient de la patinoire à la fin du deuxième 20, une foule anxieuse se demandait ce que la troisième période pouvait bien leur réserver. La troisième période commença avec du jeu ouvert et téméraire. Chelios devant Tuckett. Oh, c'est Tuckett qui lui enlève le disque. C'est Tuckett avec Robitaille. Oh! Robitaille a raté une chance en or! Incroyable! Contre-attaque américaine. Modano, en zone adverse, arrêté partiellement. Hatcher reprend. Oui, et ensuite, Tony Granato qui est venu frapper à la porte des buts. Et Ranford a fait l'arrêt bien malgré lui. La tension montait. À mi-chemin, en troisième période, les Américains se portèrent à l'attaque. Alors Steve Smith, on le voit au haut de l'écran, reçut une pénalité pour avoir donné de la bande et un murmure s'éleva parmi la foule du Coliseum qui était maintenant devenu frénétique. Mike Keenan envoya une fois de plus sur la glace sa défensive épuisée. Et Tim Taylor cherchait à y opposer toute la puissance de feu qu'il pouvait puiser dans ses ressources. Les Américains avaient déjà compté un but durant le jeu de puissance et ils s'échangeaient le disque afin de générer une autre attaque contre l'unité défensive débordée. Mais le destin devait leur faire faux bond. Chelios a le meilleur. Hall empêche le dégagement. Gary Suter. Oh! Et là, c'est la descente de Larmer. En haut. Il lance. Et quand? On venait de mentionner celui-là. Il faut se faire attention, Steve Larmer. Ironiquement, ce fut le vilain de cette série qui échappa la rondelle à l'adversaire. Et quand Steve Larmer enfila celle-ci derrière un Mike Richter étonné, la foule du stadium explosa littéralement. Ce but enleva pratiquement toute énergie à Team USA. Et le gardien Bill Ranford continuait à fermer la porte. Et quand Dirk Graham lança le disque dans un filet abandonné, le sort des Américains était maintenant décidé. Mike Richter qui regagne le banc des siens. Il n'y a plus de gardien pour les États-Unis. Dégagement annulé. Larmer, la passe à Messier. Messier patiente à Dirk Graham. Et il compte! Canada gagne! Le Canada venait de remporter sa troisième Coupe Canada Labatt de suite. Il s'établissait ainsi comme champion incontesté du hockey dans le monde.
Mais Team USA n'avait aucune raison de baisser la tête. Ils ont fait des pas gigantesques en une courte période de temps. Un juste tribut à leur mentor tombé au champ d'honneur, Bob Johnson. Aujourd'hui, le Canada est le maître absolu et le temps est à la célébration. Mais le reste du monde attend avec impatience 1995. Est-ce que le hockey a de meilleur à offrir? La Coupe Canada l'abat. Les maîtres de la glace. L'histoire de la Coupe Canada 1991 vous a été présentée par l'abat.